Hey, 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 cucu, mes petits cucu, et bienvenue pour ce premier jour du calendrier de l'Avent de la chaîne. Cette année, j'ai voulu faire une sorte de calendrier de l'Avent, et bien spécial, construction Sims 4. Et oui, comme vous pouvez le voir, ça va être du taf de construire 24 maisons par hein, pour ce calendrier de l'Avent, une maison par jour, mais c'est spécial puisque j'ai ce calendrier de l'Avent, donc c'est pour ça que c'est spécial. Mais surtout, j'ai voulu créer des maisons coquilles en fait. L'idée m'est venue de mon dernier 10 minutes challenge où j'avais construit la maison bien d'extérieur, mais j'avais pas eu le temps de faire de l'intérieur. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une série de maisons en fait où c'est déjà construit au terme extérieur et tout ça, les pièces sont délimitées, vous avez un extérieur et machin, et en fait vous n'avez que la prendre pour meubler comme il vous semble, comme vous le voulez à l'intérieur, avec faire votre petite vie de vos Sims. Et je me suis dit mais c'est peut-être un concept sympa, donc il y aura une maison vide, donc une coquille hein, comme on appelle, par jour sur la chaîne en guise de calendrier de l'Avent. Bon, ce sera un petit peu moins succulent que des chocolats, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Cette première maison, c'est une maison moderne, faite exclusivement avec le jeu de base. Donc vous pouvez, n'importe qui a le jeu des Sims pourra l'avoir dans son jeu. Elle est moderne, elle se trouve sur un terrain 20-15 de Willow Creek, donc c'est vraiment un des plus petits terrains qui existent dans le jeu. Et elle a quand même pas mal de place, hein, on va pas se le cacher. Et après, l'arrangement intérieur, vous pouvez changer comme bon vous semble. C'est-à-dire que dans cette maison, j'ai fait au rez-de-chaussée, eh bien, il est complètement ouvert. C'est un peu moderne, donc c'est pas cloisonné. Où on a vraisemblablement l'espace pour la cuisine, salle à manger, salon. Et l'étage, nous avons deux chambres. Donc, c'est deux chambres très spacieuses que vous pouvez quand même eh bien, articuler ou diviser pour en faire deux, trois, quatre, peut-être pas cinq. Mais c'est à vous de voir. Et la petite chose de cette maison, c'est aussi qu'à l'arrière, sur le terrain arrière, vous avez un espèce d'eau au vent pour pouvoir manger tout en sécurité. Si vous avez, au cas où vous aurez les saisons, eh bien, c'est parfait. S'il pleut, vos Sims pourront quand même être dehors et eh bien, profiter de pouvoir manger barbecue par exemple, faire des événements spéciaux qui soient dehors, les anniversaires, tout ça, ça peut être sympa. Et il y a aussi une petite piscine qui est dans le jardin. Elle n'est pas énorme, mais elle a l'avantage d'exister, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et elle est un petit peu simplement arborée, tout ce qu'il y a pour vraiment être sympathique en fait. Voilà. Évidemment, comme je vous l'ai dit, vous pouvez garder l'extérieur et réarranger l'intérieur comme il vous semble. Moi, j'ai essayé de faire à peu près ce qui me semblait bien. Je me suis dit, pour une première maison, peut-être deux chambres, c'est bien. Vous avez une chambre sur l'avant, une chambre sur l'arrière. Elles sont très très grandes. Et elles peuvent être divisées. Hein. La chambre sur l'arrière peut être divisée en deux, pardon. Et il y a une salle d'eau à l'étage et une toute petite salle d'eau en dessous, là, ouais, sous l'escalier que vous voyez, qui pourrait être exclusivement des toilettes, par exemple, ou toilettes-douche, ou alors vous pouvez bouger d'un carreau sur la terrasse extérieure pour manger et puis caser un peu plus d'affaires, c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est une première maison coquille pour ce premier jour de calendrier de l'Avent. J'espère que ce concept vous plaira. En tout cas, moi, je m'éclate du coup parce que, bon, c'est du taf. Je dois faire quand même 24 maisons. Voilà, moi qui suis pas une pro en construction, j'ai l'impression que je me pousse. En fait, au-delà de mes limites, je dois vraiment regorger d'ingéniosité et d'inventer, de trouver des nouvelles idées pour faire des maisons toutes différentes des unes des autres. C'est pas forcément facile et j'espère que j'y arriverai, parce que pour l'instant, je suis avancée, mais j'en ai pas 24, hein, donc je ferai ce que je peux. Et en plus, j'espère que le projet vous plaira et que si les maisons vous intéressent, eh bien, n'hésitez pas à les prendre sur ma galerie, évidemment, Idée Origine à Jean Shirley, et j'essaierai de vous mettre le lien de la galerie dans le top commentaire. En attendant, moi, je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like et compagnie. Et partager aussi, ça pourrait plaire à des personnes qui ne savent pas trop construire et qui ont envie d'avoir des maisons sympas, au moins flopper de maisons très sympas à habiter, à juste poser les meubles et on est tranquille. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt et à demain pour le deuxième jour du calendrier de l'Avent. Allez!